a des exemples d'un stick à la banane qui mime comme si c'était une banane pour un enfant, alors qu'en fait, il n'y a plus pas un gramme de banane dans ce produit-là. Des aliments qui vont avoir subi plusieurs procédés de transformation. Ça peut être chauffage à haute température, pré-traitement par friture, de l'extrusion, il peut y avoir tout un tas de procédés dont certains vont modifier beaucoup la matrice alimentaire par rapport aux produits de départ. Nous avons montré qu'une consommation plus élevée d'aliments ultra-transformés était associée à une augmentation de risque de cancer. Cancer au global et plus particulièrement cancer du sein.